Et yo tout le monde, on se retrouve pour l'épisode. Attendez, là j'ai un trou. 7? 6? 7? Un des deux quoi. Oh putain. C'était pas si compliqué que ça. Premier coup. Bon là on avait fait que un des passages. À droite, on va aller tout à droite. Pardon, les amis. C'est impossible en fait là. Hein. C'est pas possible. Bon, vu que ça, c'est pas possible pour le moment. Là, je sais où on est. Ok. Ah, le jeu de Rextro. J'ai pas eu. J'ai pas eu le jeton en fait. Lily, ça sent le piège à plein nez. On devrait bien réfléchir avant. Amis, venu essayer nouveau jeu arcade Rextro. Attends un moment. Je croyais que ton domaine était dans l'autre monde. Rextro, fais attention aux finances. C'est le deuxième tour nocturne. Désolé Rextro, j'ignorais que les personnages des vieux jeux pouvaient faire plusieurs choses à la fois. Prêt à essayer prochain jeu arcade? Avez-vous pièce de jeu? On a ta stupide pièce maudite polygone. Ah génial, la prochaine bonne arcade appuyée sur X. Hein. Le jeu donnera plus spécial. Ami veut jouer un jeu d'arcade cool. Bon bah c'est parti, hein. Il y a moyen de gagner 2 pagis ici. Partie de 2 minutes. Attraper des plumes, attraper des boosts, frapper des choses. Ces joueurs aiment les combats de plumes.
Sauter, attaque tournoyante, attaque sautée. Un trou du cul là. C'était pas mal. Tu ne vas pas nous demander de lui donner 5 étoiles, n'est-ce pas? Oh non, Rexro a soudoyé testeur important depuis longtemps. Pas hésiter à réessayer cette fois. Si l'ami bat meilleur score, Rexro d'un autre coup. Bah ouais. Du coup. Faut battre combien? 1400. J'avais plus que ça, non? Moi, ouais, je crois que j'ai déjà plus que ça, mais je suis pas sûr. Ouais, j'ai déjà pulvérisé leur score, donc c'est bon.
2140 et je devais faire 1400. Je l'ai éclaté. N'hésitez pas à boire en part des chaleurs pareil. Wow, Rexro ne croit pas qu'un meilleur score battu sans utiliser code de triche. Un code de quoi? Tenez ami, voici récompense. Amis, ils veulent encore jouer? Bah non. Ok, encore une bonne chose de faite. Donc là-bas, ah j'ai pas essayé en sautant au-dessus. Rien ne coûte d'essayer. Hein. Et en faisant le super saut là, ça passe peut-être. Ouais, ça doit passer, mais il faut que je le fasse largement avant. C'est trop long. On peut en essayer ça plus tard. Ok, bon. On va aller tout droit maintenant. Bah non, apparemment non, donc on va aller à gauche. Bravo, tu as déverrouillé un nouveau terrifiant. Mais quoi, je dois faire quoi, moi? Je vais lire ça. Rendez votre maison accessible avec escalier et ascenseur. Bonjour. Collecte des plumes avec croche langue de Yuka. Ouais, ça peut être plus intéressant.
Oh yes! Encore un nouveau tonifiant! J'arrive, j'arrive! Bonjour! Qu'est-ce que j'ai déverrouillé ce coup-ci? Chasseur, tu sens la présence d'objets rares. Ah! Intéressant aussi ça! Ouais, je vais faire ça. Ben, je crois que j'en ai fini pour ici, pour le moment en tout cas. Plus tard, il faudra que je revienne avec d'autres capacités. Allez, on retourne au centre de la ruche. Je vais retourner dans le niveau 1 et après j'irai dans le niveau 3, je pense. Je vais faire comme ça, je vais avancer pour avoir plein de pouvoirs et après je reviendrai seulement dans les mondes. Mais bon, le niveau 1... Attends, le niveau 1... Bon, ça sert à rien, autant directement aller niveau 3. Pendant des années, on m'a dit qu'on n'avait pas besoin d'une entreprise qui absorbe les livres. Regardez maintenant. Archive. Ça.
Par ici! Hé, hey, Trouser, qu'est-ce que tu fais recroquevillé dans ce coin, tout sombre? J'ai une autre technique gratuite pour vous, mais je dois vous la passer sous le manteau. Cette nouvelle technique a été enseignée par Grand. Wow, impressionnant, c'est quoi? Cette ancienne technique, boule puante, vous pouvez profiter des pouvoirs de l'océan et marcher sous l'eau. Enfin, quelque chose d'utile. Comment maîtrise-t-on ce pouvoir? Vermisso. D'abord, il faut prendre une grande inspiration, puis sous l'eau, appuyer sur R2 pour libérer de l'air et créer une bulle d'eau fumante. Burke, tu n'as pas une méthode plus acceptable en société pour marcher sous l'eau? Trouser, pas gratuite. Vous n'avez qu'à essayer cette nouvelle technique dans l'aquarium, là-bas. Bah ouais. Ça c'est pareil, c'est un pouvoir qui sera utile aussi pour le monde 2 et pour le monde 1 aussi, je crois qu'il y avait un truc comme ça. D'accord. Bon, moi je suis parti. Hop là. La station hydraulique. Désolé, l'ascenseur est hors service. Ok, bah je vais aller par là. Ça me semble pas mal. Au secours, cette porte se ferme à chaque fois que quelqu'un passe. Je meurs de faim. Ha!
bien compliqué pour celle-là. Bon, vous allez me laisser sortir, bande de chacal. Non, laissez-moi. Oh, allez bien vous dites ma mère là, putain, vous me cassez les couilles. Bon, je vais essayer de retourner dans le niveau 1 parce que c'est tout ce que je peux faire pour le moment, j'ai l'impression. Et toi, tu sais que tu peux cliquer sur... Non, mais c'est maintenant que tu me le dis. Bon. Je suis libéré. Ah bah voilà. J'en fais toujours une de moi à avoir. Désolé, apparemment il y a un peu de bruit chez moi. Yeah.
Bon, allez go, on va dans le livre. Il y a au moins deux trucs que je sais que je peux faire. Là, il y en a au moins un, ça c'est sûr. L'autre, je pense que je peux. Oh, Lily, regarde ce mystérieux trésor de pirate. Je me demande s'il y en a davantage à découvrir dans les autres grands tomes. Pillage privé. Donc ça, c'est un truc en plus qu'il n'y avait pas décrit. D'accord. Autant vous dire que je m'y attendais pas. Non, c'est pas celui-là. Ok. Alors ici, rappelez-vous. Ça, c'était les deux trucs que je savais que je pouvais faire. N'oubliez pas de développer le grand homme pour agrandir leur monde davantage. Bah, je peux encore le faire dans ce monde-ci. C'est vrai qu'après tout... Oh!
Bien joué, ami. Vous avez récupéré mon joyau. À présent, rapportez-le-moi. Bonjour. Ça alors, regarde. Ce type, Lucas. Salutations, Wanderer. Je suis celui que tout le monde appelle le Shovel Knight. Et ma journée est mouvementée. Je me suis lancé, maintenant, ça on l'avait déjà lu, hein. Très bien, ô grand chevalier, nous retrouverons ton joyau. Mais veille à ce que le paiement soit en panise. Excellent. Tu parles de ce trésor? Mais vous n'avez pas attendu mes conseils pour vous lancer à l'aventure? Impressionnant. Donne-nous une mission plus difficile la prochaine fois, ô grand chevalier. J'en tiendrai compte. Maintenant, comme promis, voici le secret pour des aventures victorieuses. Il vous suffit d'avoir une carte et soif d'aventure. L'humour de ce type est aussi plat que son trésor pixelisé. C'est tout? Bon, il nous reste le nuage à battre. Il fera normalement
un panis. Donc ça me ferait. Là, il m'en manque 9 en tout. C'est choquant, hein. Allez. Je sais pas si ça sert à quelque chose que je leur fasse en vrai, mais. Bien joué partenaire. Bon c'est tout. Ok. Ça servait à rien du tout. Ok bon.
encore été par là-bas. Et vous êtes là pour la vue? Non, on est venu pour te collecter. Pour me libérer, vous devez terminer ce parcours en planant à travers d'un anneau. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça que les choses se passent à cette altitude. Bonne chance. Ouais, bon, il devrait pas y avoir trop de problèmes. Comment j'ai le seum? Je dois recommencer. Bon, logique. Hein. Bon. Nickel. Bon, faut que je trouve de l'eau maintenant.
vrai qu'il y avait lui aussi. Hein. Je vais laisser comme ça. Voir si c'est pas des trucs qu'on change. Ah, depuis tout à l'heure je suis muté, ok, très bien. Ah, désolé, il s'est pas passé grand chose de toute façon. Mm-hmm.
Ok, je sais pas combien du coup là, voir Toto. 18 sur 25. Je suis toujours à 18 ou c'est 19? Non, 18. Ok. Bon là-bas, y'a... Mais si je passerai pas pour le moment. Je vais aller voir là-bas qu'est-ce que ça a changé.